c'est pas possible. Attendez, hein. Bonjour à tous. Ça marche bien? Attendez, hein. Ouais. Excusez-moi, hein, c'est parce que... Hop, je relance. Voilà. Désolé. Bonjour à tous. Bienvenue pour un nouvel, une nouvelle vidéo, un nouveau live, un nouvel épisode, un nouveau jeu. Aujourd'hui, on va découvrir. C'est un live découverte. On va découvrir Star Renegade. Désolé pour le son parce qu'on pouvait pas le baisser mieux. Attendez. Là, je comprends pas. Ah, là ça sera mieux. Hop. Tout de suite. Ouais, c'est parce qu'en fait j'ai dû relancer le jeu parce que pour avoir la cinématique en fait qui se lance tout de suite. Au-dessus de Norage, un petit groupe de mystérieux assaillants détruit les puissantes armadas de l'Union Stellaire. Les vaisseaux survivants tentent de se regrouper alors qu'ils sont pourchassés par ces ennemis implacables. C'est quoi, c'est Win? Non, oui, Win? Ouais. Win, réponds-moi. Donne-moi un signe de vie. Je vais bien, Dave. Ces chasseurs ennemis sont doués, très doués. Même. Ah non, très doués même. J'ai eu de la chance d'atterrir en un seul morceau. Je te félicite pour avoir évité tous ces bâtiments.
Ah, c'est pas vrai, j'ai d'autres chasseurs sur le dos. Mais d'où est-ce qu'ils sortent? J'ai atterri à côté du train à destination de Fort-Garonne. Si j'arrive à rejoindre la base à temps. Tu pourrais armer les canons anti-aériens, c'est exactement ce que je me disais, ça ferait une jolie surprise pour ces chasseurs qui me pourchassent. Excellente idée, je te recontacte quand je suis à la base terminée. Ce n'est pas le meilleur usage qu'on ait fait de l'argent du contribuable. Donc, pardon. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez des phases de, on va dire, de promenade. Hop. Qui sont juste, voilà. Je capte des signaux étranges dans ce train. Quelque chose me dit qu'ils ne proviennent pas de voyageurs classiques. Ça veut dire qu'ils ont des assaillants aussi. Non. Ça veut dire que ces assaillants, pardon, ont aussi des troupes terrestres. Voilà. Donc là, ils vont nous apprendre. Là, on va apprendre les bases du combat. Voyons comment ils se débrouillent au corps à corps. Préparez-vous à mourir. C'est ce qu'on va voir. Ça va être un joli. Un joli. Pourquoi j'ai vu joli, moi? Ça va être un vrai jeu d'enfant. Je vais t'éliminer avec une coupure. Je vais l'éliminer. Alors, base du combat. Donc c'est ça en fait. Ça, c'est des combats de chrono, enfin en gros chronologique. Dans Star Renegade, les combats sont déterministes. Autrement dit, vous avez les actions des ennemis avant qu'ils ne se réalisent. Vous pouvez aussi vous défendre, infliger des coups critiques, retarder l'action de l'ennemi. Ou l'interrompre. Ouais, en fait, ça se passe sur la barre là. L'ennemi est là pour nous, il est là pour nous attaquer. Et en fait, on va avoir des capacités d'attaque. Et notre but, c'est toujours de l'attaquer avant et de le repousser à chaque fois en fait sur la ligne temporelle pour le but, c'est de l'éjecter pour pas qu'il joue. Toutes les actions sont affichées sur le chronologie en fonction du moment de leur réalisation lors du round. Sauf les actions pardon, instantanées qui s'exécutent immédiatement. Chaque round dure 60 secondes. La santé d'une unité pardon, est indiquée par les jauges d'état au-dessus de sa tête. Ces derniers représentent donc les boucliers, qui vont être les premiers à partir. L'armure, qui vont être le deuxième à casser en fait. Et la santé. Enfin, non, pas tout le temps donc. Les effets qui lui en sont appliqués apparaissent au-dessus de la jauge d'état. Par ailleurs, vous verrez également l'action de vos ennemis que vos ennemis vont réaliser. Les boucliers se régénèrent à la fin de chaque combat. Donc ça, c'est plutôt pas après chaque pas après chaque round, après chaque combat. Ça, c'est cool. La santé et l'armure peuvent être renforcées ou restaurées dans un camp ou en ouvrant des caisses de santé et d'armure que vous trouverez aux quatre coins de la galaxie. Donc en gros, là on voit sa barre rouge. Quand je mets ma souris, en gros il va m'attaquer. Donc lui il est là. On voit quand est-ce qu'il va faire son truc. Feu, 13, ok. Et donc moi je dois faire coupure. Ah ouais, donc vous voyez là? Là, en fait, il va me faire un crit, c'est écrit. Et ici, mon bonhomme va reculer, en fait, quand il va se prendre le coup.
De toute façon, ils vont nous expliquer tout ça, donc. Il a beau être bête comme ses pieds, je ferais quand même mieux de frapper en premier. Je veux reprendre mes esprits et lui infliger un coup critique avec une fente. Alors, la base du combat. Les coups critiques. Donc c'est ça en fait, c'est le critique qui te fait reculer sur la barre. Inflige lorsqu'une unité est touchée avant d'avoir pu réaliser son action. La bonus de coup critique appliquée s'affiche sous les informations principales de pouvoir d'attaque. Coup critique peut infliger des dégâts supplémentaires, interrompre l'attaque de l'ennemi, transpercer le bouclier ou l'armure, endommager l'armure ou autre effet dévastateur. Néanmoins, prenez garde, les ennemis peuvent également infliger des coups critiques à votre héros s'ils sont touchés avant d'avoir pu exécuter leur attaque. Donc là, de toute façon, je peux pas utiliser. On va faire Fente, qui va lui faire un coup critique, qui frappe avant lui. Et donc, vous voyez, ça va le faire reculer sur la timeline. Après, si j'aurais eu un autre personnage, je l'aurais fait taper, par exemple, ici. Et ça l'aurait fait reculer encore une fois. Ah, on lui a enlevé son bouclier. Ça a attiré son attention. Maintenant, je vais le frapper avec une incision pour l'interrompre et retarder son attaque. Les attaques peuvent retarder l'action d'un ennemi, le forçant ainsi à l'exécuter plus tard dans le round. Votre équipe pourra donc réaliser plus d'actions et infliger davantage de coups critiques avant que l'ennemi puisse agir. Le degré de retardement d'une attaque lors d'un coup critique est infligé apparaît en vert à côté de l'icône de retardement ici. Avec une bonne stratégie, vous pouvez enchaîner les attaques afin d'infliger plusieurs retardements à un ennemi et ainsi l'interrompre en repoussant son action au round suivant. Comme là. Cependant, les ennemis ont une limite de retardement, ici, qui indique le nombre de retardements qu'ils peuvent subir avant d'être immunisés. Cette limite apparaît sur les chronologies à côté de leur portrait. Je suis désolé. Pardon. La limite de retardement d'un ennemi augmente une fois qu'il a exécuté son action. Donc là, on sort, comme vous pouvez voir là. Que je lui fais un crit et donc ça fait que il est retardé et ça fait qu'il peut pas jouer ce round là. Et en fait, si j'aurais eu un autre perso, il aurait pu l'attaquer. L'ennemi aurait pu rien faire vu qu'il est sorti. Et c'est comme ça qu'après on lui baisse sa vie ou on essaie de le tuer le plus rapidement possible. Il est temps d'en finir. Une fente devrait faire l'affaire. Là, vu que j'attaque avant lui. Et en plus, je le fais reculer sur la timeline. Et j'aurais eu quelqu'un d'autre, j'aurais pu le repousser encore. Et voilà. Mais par contre, comme ils disent, on peut le repousser que deux fois. Après, ils sont immunisés. Et après, c'est relou. Ça y est, je suis à la base. C'est bien ce que je pensais. Elle a été touchée par une sorte d'IEM. Au moins, la voix est... Se téléporter à l'intérieur, ça fait des années que les scientifiques de l'Union tentent de mettre au point cette technologie. Comment ils font ça, eux? Ils disposent de technologies plus évoluées que nous, mais au moins ils ne sont pas invincibles. Voyons comment je m'en sors face à celui-ci, pardon. Je sais pas pourquoi, en fait, j'étais parti sur... Voyons comment mes yeux ne regardaient pas le jeu, donc je me disais, c'est quoi ce délire? Alors, pense à tout ce que tu as appris lors des entraînements et tout ira bien. C'est-à-dire? Et donc, de temps en temps, vous avez des petits trucs comme ça, que vous pouvez aller voir. Et qui vous donne des petites informations sur le lore, sur le terrain. Mince,
la terre a dû sacrément bouger pour laisser apparaître l'une de ses mains de titan. Là, vous voyez, là, il y a une main de titan qui est sortie. Les titans, on ne sait pas c'est quoi pour l'instant. On peut se déplacer comme on veut, hein. On n'a pas de temps ou de trucs comme ça. C'est jusqu'à ce qu'on rencontre un ennemi, quoi. L'Imperial veut vous réduire en cendres. Oui, quand je fais des voix de méchants, j'ai tendance à rouler les R parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, dans Nicky Larson, pour que ça parle à tout le monde, il y avait pas mal d'ennemis qui avaient des voix un peu comme ça, où ils roulaient les R et tout ça. Donc ça m'est resté. Alors, contre les brûlures, rien de tel qu'un peu de pommade. Mais on peut aussi essayer de régler le problème avec une coupure. Donc si je lui fais coupure, ça fait du crit. Résistant contre puissant. D'accord, il recule mais il sera pas... Il sera pas interrompu. Et là j'ai bouffé, j'ai perdu 46 d'armure. Mince, ça n'a pas marché. Essayons une attaque plus légère, une incision par exemple. Alors, toutes les attaques ont leur propre type de dégâts de base qui détermine la catégorie de l'attaque. Ces catégories sont les suivantes. Attaque légère, attaque normale, attaque puissante, attaque en rafale, attaque de zone, contre-attaque et combo. Ouais, là, une attaque qui enlève 35 et là, une attaque light qui enlève 20. Les adversaires peuvent présenter une faiblesse à certains types de dégâts de base. Dans ce cas, des attaques leur infligeront des dégâts supplémentaires et retarderont leurs actions. Cependant, ils peuvent également présenter une résistance ou même une immunité vis-à-vis de certains types de dégâts de base. Ces attaques leur infligeront alors peu ou pas de dégâts. Attendez 10 secondes, je bois un coup. Désolé. Alors, pardon, donc incision. Si je lui fais un crit, je lui fais saignement. Ah bah ouais. Faiblesse contre les attaques légères. Ah bah faut spammer les attaques légères alors. Donc là je l'ai retardé une fois. Ah voilà qui est mieux. Maintenant utilisons une fente pour l'interrompre à nouveau. Je crois qu'on peut plus l'interrompre. Ah si. Ah oui, encore une fois, et maintenant on peut plus. J'ai atteint sa limite d'interruption. Je ne vais plus pouvoir retarder ses attaques. Il faut que je passe en défense pour réduire les dégâts de son attaque incendiaire. Ah oui, parce que là, il est très près, là. Donc la défense, elle est directement collée à la barre. D'accord, donc j'ai perdu en bouclier, en santé rouge et en... Enfin, en bouclier, en santé et en armure. Bon, j'en ai ma claque de lui, essayons de le démolir avec son armure. Quoi? Essayons de le démolir son armure avec une taillade. L'armure absorbe les dégâts avant qu'il ne réduise la santé. Donc voilà, c'est ce que je disais. La quantité de dégâts peut être absorbée à chaque attaque est égale à la quantité d'armure du personnage. Donc 8. Donc les dégâts d'attaque total de 20. L'armure 15. D'accord. Si je me prends un coup qui devrait m'enlever 20
et que j'ai 15 d'armure, ça va m'enlever les 15 d'armure et ça va combler en fait. Ok. Ça va prendre de l'armure au lieu de prendre ma santé. Les détails d'une attaque. Quantité de dégâts inflige cette dernière en cas de coup critique. Certaines attaques et certains types de dégâts élémentaires peuvent transpercer l'armure. Bien que ces attaques n'infligent pas de dégâts d'armure, elles peuvent ignorer une certaine quantité d'armure et infliger directement des dégâts de santé. Perce 33% d'armure, d'accord. Donc, lui, il a son. Alors, lui, il a combien? Il a 1. Non, celle-là. Il a 1. Bah, ben, voilà. Si je lui fais taillade, je lui fais 8. Donc, je vais enlever 8 plus 44. Son armure est complètement détruite et maintenant pour l'achever, je vais lui infliger un coup critique avec une fente. Donc j'attaque avant. Il lui reste combien? Il lui reste plus rien en fait. Ouais. Il lui restait plus rien en santé. Par contre, niveau des crédits, les mecs, faut cracher un peu, quoi. C'est le moment idéal pour utiliser les canons. J'ai une escadrille de chasseurs aux trousses. Bien reçu serait arrivé à la rescousse. C'est quoi? Fort Garonne. Le Fort Garonne a connu son lot d'actions lors des guerres des flux. Mais maintenant, il sert principalement de terrain d'entraînement. D'accord, donc c'est à nous. C'est le Fort Garant. Ah, c'est là. D'accord, pour qu'il prenne le petit chemin. D'accord. Donc c'est divisé en sortes de zones. C'est bon, Dave, les canons sont prêts. Je vais mener ces chasseurs jusqu'à toi. Comme ça, on va inverser les rôles et tu feras du tir au pigeon. Ah bon. D'où est-ce qu'il sort ce vaisseau alien flippant? J'ai comme un mauvais pressentiment. Davion, éloigne-toi, quelqu'un a pris le contrôle des canons à distance. Oh, super. On s'est fait hacker, quoi. Ah, les effets sont magnifiques. Voilà, il a touché l'avion, le vaisseau. Je crois que j'ai foiré mon atterrissage. Dave, tu es en vie? Il faut qu'on dégage, tu peux marcher? Je vais bien, je suis juste un peu secoué, ce n'est pas. C'est pas passé loin. Quand tu t'écrases avec un vaisseau et que tu meurs pas, t'as peut-être foiré ton atterrissage, mais t'as assuré quand même. J'ai trouvé ce que vous cherchiez, mère. Comme vous me l'aviez dit, il est. Ah non, avec le roulement des R. J'ai trouvé ce que vous cherchiez, mère. Comme vous me l'aviez dit, il est tout bonnement pitoyable. Oh, la voix des méchants, ouais, je vais essayer de faire une voix un peu comme ça. Je suis pas fort en voix, hein, je l'avais déjà dit, mais. Votre vie ne vaut rien. J'ai l'impression d'entendre papa. Ouais, sympa. C'est pas le moment de rigoler, Win. N'oublie pas, trouve son point faible et exploite-le encore et encore. Cette fois, c'est moi qui parle comme papa. Alors, utilisez le mode inspection pour connaître les stats d'une unité en savoir qui est sa cible. Ouais, tu mets ton. Ouais. En mode inspection, vous pouvez aussi voir les traits et les effets d'une unité afin de connaître ses faiblesses, ses forces, sa résistance et son immunité.
Lorsque vous ciblez un ennemi, vous voyez apparaître une prédiction de résultat de vos actions contre cet ennemi pour ce round. Si vos actions ont de grandes chances d'entraîner la mort de l'ennemi, un indicateur coup mortel apparaîtra. Important, la prédiction des dégâts de l'indicateur coup mortel ne sont pas fiables à 100%, car il est possible que plusieurs facteurs, soit affaiblissement des dégâts, renforcement de la défense, interviennent avant le coup de grâce, ce qui peut changer la donne. D'accord, donc lui, il veut attaquer elle. Mais là, c'est Dave qui doit jouer. Donc si je joue ce coup-là, lancer de l'âme, ben, vous voyez qu'il va taper ici, donc après lui. Poignard vampirique, il tape avant. Ça, il tape après. Lui, c'est quoi? Applique l'effet de cri de saignement. C'est quoi? C'est... Applique l'effet radiation. Très... Résistance aux attaques légères. 50% de défense contre les attaques légères. Donc faut pas faire des attaques légères. Faiblesse contre les attaques puissantes. Ben voilà. C'est tout ce que je voulais savoir. Donc, rafale. Attaque de zone. Attaque rafale. Attaque puissante. Toi. Attaque normale. Attaque légère. Non. Attaque puissante. Après. Attaque normale. Ah, on le fait bien reculer. Voilà. Donc maintenant qu'il est là, toi tu vas lui faire une attaque puissante et ça va le faire sortir. Comme ça il fera pas son coup. Wow, pas mal. On lui a enlevé pas mal d'armure, enfin pas mal de boubou. Il attaque qui? Il attaque elle. Est-ce que toi tu peux attaquer avant? Non. Donc elle, on va la mettre en défense. Et toi, tu vas lui faire une attaque puissante. Vu qu'il est, il aime pas les attaques puissantes. Vu qu'il aura joué. Donc je perds 22 de boubou. Wow. Win, tu te souviens de ce combo qu'on faisait à l'entraînement? Tu parles de celui qu'on a fait quand on a cassé les vitres du gravicycle de papa? Ouais, celui-là, c'est le moment ou jamais de le retenter. Excellente idée, mais d'abord, il faut qu'on génère suffisamment de fureur. Donc, vos héros génèrent de la fureur en infligeant des coups critiques, en interrompant l'ennemi. Les coups critiques génèrent un point de fureur, tandis que les interruptions génèrent deux points de fureur. Donc la fureur, c'est là, ouais. Utilisez la fureur pour exécuter des actions spéciales ou des combos aux effets dévastateurs. D'accord, donc il a besoin de 22 de fureur. Les combos sont les actions spéciales qui coûtent de la fureur et sont réalisées par deux héros en même temps. Chaque combo peut être exécuté une seule fois par combat. D'accord ?
Seuls les héros qui ont noué les liens forts disposent de combos. Vous pouvez renforcer les relations entre vos héros dans les camps. D'accord. Donc, lui, il nous faut 26. Et on est à 25. Donc. D'accord. Donc. Je sais pas c'est qui devrait faire un. Ah oui, lui il attaque. D'accord. Ah oui, d'accord. De toute façon, je vais quand même bouffer. Ah bah non, on l'a tué. Donc on l'a tué. Ce n'est qu'un léger contretemps, mais on sera bientôt victorieuse. Reste derrière moi, Win. Je vais m'occuper de ce type. Il n'a pas beaucoup de charisme, mais qu'est-ce qu'il est moche. Mère s'intéresse uniquement à vous, Davion Saifex. Non, Saifex. Saifex. Elle n'a que faire de la femme. Hors de question que je te laisse tomber, Dave. On doit faire équipe pour le battre. Ah! Il va attaquer Dave. Mais Dave. Par contre, c'est ça que je voulais voir. Il a pas de. D'accord, il a pas de faiblesse. On va faire ça. Bam, bam! 150 crit. Ouais. Ça suffit, cette mascarade n'a que trop duré. Et nous savons tous comment ça va se finir. Dave, recule, fais attention. Alors, il va rattaquer Dave. Ouais, quand même. Quand même, au niveau de la. Au niveau, ouais, niveau 10, au niveau de la vie, on rigole pas. Alors. Poignard vampirique. Ça fait quoi, poignard vampirique? Bah on va lui faire coupure hein. Et puis on va lui faire un truc qui bouffe 20 x 2. On va faire ça en vivisection. Non, je n'arrive pas à le croire. Merde, je fais ce que vous m'aviez demandé et
Rapatriez-moi, je ne voudrais... Non, je ne tiendrai pas plus longtemps. Quand même, il avait quand même pas mal hein, au niveau de la barre de vie, la barre de... Accroche-toi, Dave, je n'y arriverai pas sans toi. Dave, allez, lève-toi, je t'en supplie, je n'y arriverai pas sans toi. Dave! Bon bah, Dave... Dave, il est malade. Dans la salle du trône, vous pouvez consulter les informations au sujet de la recherche de l'Imperium et des chefs lieutenants et... Non, pas lieutenant. Behemoth. N'importe quoi. J'étais parti en fait en mode... Dans ma tête, j'étais parti en mode... comment on appelle ça? Grade. Chef, lieutenant, machin. Donc chef, Behemoth et adversaire actuellement connu. De temps à autre, vous vous rendrez dans cette salle pour assister à des événements comme des exécutions, des promotions ou des présentations au sein de l'Imperium. Vous pouvez également accéder à la salle du trône de l'Imperium directement depuis le menu principal. Les adversaires sont des soldats d'élite de l'Imperium. Ils sont plus forts, plus résistants et disposent de compétences et de traits spéciaux. Ils ont également des personnalités uniques, ce qui fait que vous n'affronterez jamais deux fois le même adversaire. D'où le côté roguelike. Les adversaires peuvent évoluer, être promus et devenir plus forts s'ils parviennent à vous vaincre. En cas de victoire contre un adversaire, vous recevrez normalement une récompense rare ou épique. Donc lui... Force, Behemoth, 50% de défense contre les retardements. 50% en défense contre les retardements. Ah ouais, ça c'est... Il n'y a pas de faiblesse, il n'y a rien. Là on voit pas, on voit pas, on voit pas, ok. Ouais, c'était pendant ce temps quelque part ailleurs. Ça y est, je les ai trouvés. Voici les prochaines cibles de l'Imperium. À l'heure qu'il est, ils ont certainement déjà lancé leur attaque. Très bien, il me reste plus qu'à mettre. Il ne me reste plus qu'à te mettre en marche, pardon. Formidable, tous les systèmes sont ouverts. Ce combat n'est peut-être pas terminé après tout. J'ai fait du bon boulot pour te donner l'apparence d'un. Cerveau ordinaire, ça devrait s'avérer utile. Bien, J5T1N. Nous devons sortir, je te laisse ouvrir la marche. Ah oui, d'accord, c'est juste la zone. Et... Okay. Par contre, les décors sont magnifiques. Hein. Alors. D'ordinaire, ces bâtiments ne sont pas en feu. Ouais. Putain, c'est magnifique, les décors. Les attaques ont cessé, mais ils ne tarderont pas à revenir pour terminer le travail. Pas de temps à perdre, le point d'accès se trouve par ici. Écoute-moi bien, J5. Tu dois franchir ce portail et transmettre un message de la plus haute importance pour moi. Trouve la professeure Zurek. C'est la seule personne en qui j'ai confiance. Elle est un peu irritable parfois, mais c'est le propre des génies. Trouve-la et transmets-lui le message que je t'ai confié. Tu t'en sens capable? Je vais prendre ça pour un oui. D'innombrables vies dépendent de toi. Du coup, essaie de ne pas trop prendre la grosse tête, ou plutôt de la grosse sphère, devrais-je dire. Franchis le portail une fois que tu seras prêt. Quoi? Oh, ne t'en fais pas pour moi, ta mission est la seule chose qui compte. Bah go! Bien, allons-y.
Espérons que ça marche. Il a réussi, parfait. Maintenant, espérons qu'il puisse. Ah, vous voilà. Bon, qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes censé me capturer, non? Vous êtes nombreux à m'avoir confié ce que représentait Davion pour vous, et je vous en remercie. J'aimerais tellement qu'il soit ici pour que vous puissiez lui dire en face. Merci, Wynne. Et maintenant, observons une minute de silence en hommage à notre défunt guerrier. Ah ouais, donc il est mort. Ok. Rip, Devine. Bon, parlons peu, parlons bien. Certains d'entre vous m'ont demandé ce que le conseil prévoyait de faire avec ses assaillants. Ceux qui ont détruit l'armada et tué le colonel Syphex. En tant que membre du comité des chefs militaires, je peux vous dire que nous avons un plan. Putain, le mec il a morflé. Hein. Le bras robot et tout. Oh putain, les yeux. Nous allons déployer une armada plus puissante que la précédente pour envoyer ses vaisseaux dans l'enfer d'où il vient. Le vaisseau il a quand même tout défoncé tout à l'heure. J'avais pourtant dit que je ne voulais pas être... Bon, viens là et transmets-moi ton message. Mais c'est pas elle Je suis en train d'étudier le phénomène quantique le plus mystérieux et le plus important de ma carrière. Alors je te préviens, quoi que tu aies à dire, ça a intérêt à être carrément renversant. Bonjour, docteur Jurek. Ok, tu as toute mon attention. Professeur Jurek. Ah d'accord, donc... Si, ça a l'air d'être la même. Hein. Allons droit au but, je suis où? Ah bah voilà. Et vous êtes moi. Nous venons des réalités différentes. Je sais que c'est difficile à comprendre, même pour vous. J'ai envoyé ce cerveau-beau ultra sophistiqué à travers la division quantique pour vous avertir. Votre réalité subit une attaque en ce moment même. Est-ce que c'est un rapport avec le phénomène d'enchevêtrement Q71 ? Que vous avez détecté au-dessus de nos roches. Tout à fait. Vous avez certainement prévenu le conseil de l'Union Stellaire qui a envoyé l'armada mener l'enquête. Vous découvrirez bien assez vite que l'armada a été anéantie par un vaisseau d'une incroyable puissance qui était dissimulé dans l'enchevêtrement. Ce vaisseau vient d'une autre réalité et il a pour objectif de conquérir toute votre galaxie. Je le sais parce qu'il a déjà conquis la mienne. Je dois les prévenir, c'est beaucoup trop tard. Mais lorsque le conseil fera appel à vous et à votre expertise en matière de réalité parallèle, vous devrez avoir un plan. D'accord, donc. Ça, c'est le robot qui vient d'un monde parallèle. Et apparemment, les ennemis aussi. Et c'est là que j'entre en scène. Je sais ce que ces envahisseurs vont faire ensuite. Et je sais aussi comment vous pouvez les arrêter. Si vous suivez mes ordres, votre monde a une chance de s'en sortir. Mais si vous échouez, promettez-moi d'envoyer J5 dans la prochaine réalité qu'ils envahiront, car ils ne s'arrêteront jamais. Maintenant, écoutez-moi, voici un plan. D'où le côté roguelite, en fait. Si on meurt, il y a une nouvelle réalité qui se crée. Les ennemis vont attaquer cette nouvelle réalité et donc on aura un nouveau départ, on va dire. Voici la première étape. Contactez le général Geddon et passez-lui ce message. Vous devrez lui expliquer la situation, mais il vous aidera à constituer une escouade capable de mettre un terme à cette invasion. D'accord, donc la run c'est ça. On fait ça, 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 et on attaque le gros vaisseau. Et si on perd, d'où le côté roguelike, tu recommences avec nouvelle planète, nouvelle équipe, ça doit être un truc comme ça.
Sélection de la planète. Bah, celle-là. D'accord, donc là c'est les ennemis de cette planète-là. Là il y a les ennemis de l'autre planète et les ennemis de l'autre planète. Donc lui, Thèbes. Alors, Thèbes c'est quoi? Rage en se faisant toucher avec une arme légère. 50% de défense contre les combos. D'accord, faut pas lui faire de combo ni d'attaque légère. Et la faiblesse, 50% de défense contre les impulsions. Faiblesse contre les impulsions. Faiblesse contre les dégâts de détonation. D'accord. Il faut le détonner de n'importe quoi. Il faut lui faire des dégâts de détonation et des dégâts de. D'accord. On verra ça quand on y sera. Pardon, les ingénieurs m'avaient dit que l'atterrissage se ferait en douceur. J'ai connu des atterrissages bien pires que celui-ci. Tant que J5 et vous aviez survécu, ça me va. Vous devriez aider vos camarades à sortir de leur capsule. Apparemment, ils ont du mal à ouvrir la trappe. Je m'en charge. Allez, J5, donne-moi un coup de main. Bah, voilà, on va aller là. Nodo Caltoris, saboteur. D'accord. Je suis paré à l'action. Allons liquider ces cibles. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je parle comme un soldat de l'espace, ça vous plaît pas? Si vous préférez, je peux m'exprimer à la Nodo. Ouais, bonne idée. Nos problèmes, le naturel, il n'y a que ça de vrai. D'accord. Donc on a eu un saboteur et un archonte. Xurx. Comment s'est passé le voyage? Gloire au seigneur Botula, qui nous a permis d'arriver sans encombre sur le champ de bataille. Ouais. Loué soient les titans et tout le Tatouin. Non, et tout le Toutim, pardon. J'ai compris. Dites, vous n'allez quand même pas réessayer de me convertir, si? Assez bavardé, mettez-vous au boulot et prenez le contrôle de cette base de l'Imperium. Liquidez tous ceux qui se mettront en travers de votre chemin. Cela dit, ne tombez pas dans l'excès de confiance. Ils ont forcément posté des artificiers d'élite à la base, dans la base, et vous devriez les éliminer. Nous resterons en contact avec vous pour fournir des instructions au fur et à mesure. Maintenant, préparez-vous. C'est l'heure de dessouder des drones de l'Imperium. Allez, en position. Je vous avais bien dit que les soldats de l'espace parlaient comme ça. Mes enseignements spirituels m'indiquent que les deux chemins nous permettront d'atteindre notre objectif. Décidément, votre sagesse ne connaît pas de limite. Pouf, chef, vous le savez peut-être pas, mais le sarcasme n'est pas le fort des fondamentalistes. C'est vrai, nous prenons une forme radicale de discours honnête, dépourvu de toute forme d'exagération ou de subtilité. Ah bon? Non, c'était ma façon de me montrer sarcastique, espèce d'imbécile. Bien joué. Alors, donc ce que j'ai compris, pour aller à l'objectif, qui est ici, je crois. Ouais, Teb, il est là, objectif. Et ben en fait, on a plusieurs chemins. Donc on a le chemin d'en haut avec un drone, mais carénier. Après, dans cette zone-là, nous avons un distributeur de nourriture. Contient des cartes. Là, on a encore un drone, un bot protecteur. Là, on a une technologie de l'Imperium ordinaire. Là, une technologie de l'Imperium ordinaire et Thèbes. Et donc, en bas, on a la méca araignée.
distributeur de nourriture. Un drone. Cuve ADN. Et Thèbes. Donc j'ai envie de passer par en haut pour prendre les technologies de l'Imperium en fait. Parce que là on a tous les deux ça. Donc ouais, autant prendre les trucs de l'Imperium, les technologies, pardon. Alors, premier vrai combat. C'est parti. Donc, lui, il attaque le robot. D'accord. Alors, méca araignée, 11 de bouclier, 2 d'armure. Enfin non, combien d'armure? Je suis désolé en fait, je vois pas, j'ai un truc chez moi qui me permet de pas voir. Et 81, d'accord. Lui, il va attaquer elle. Il a 68 de bouclier. Il a pas d'armure et il a 25 de trucs. D'accord. Et 11. D'accord, donc lui il a plus de boucliers. Alors, donc, d'accord, ça sort direct. Défense réduite, 25% de défense, hein, applique l'effet de crit, d'accord. Donc si je le fais sur lui, il sort. Si je le fais sur lui, il sort. Tir direct, ça recule le robot. Le robot décharge, ça fait d'accord, ça fait reculer les deux. Octroie bouclier et défense. Bah, on va faire ça. Déjà. Comme ça, on voit sur la timeline. Il va quand même tirer sur elle. Si je fais ça, je le blitz. Comme ça, il peut pas tirer sur elle. Et elle. Elle le crit et elle le retarde. Comme ça, ils sont tous les deux retardés, ils m'ont pas attaqué. Par contre, ils sont hauts là. Et il veut attaquer lui. Décharge, mais il ne recule pas. Ah, parce qu'ils ont 0, ils sont unisés, d'accord. Et lui, il va attaquer elle. Donc lui, il peut pas blitzer, ça sert à rien.
S'il fait un tir direct, il éclate 25 d'armure. Là, il lui éclate toute son armure. On va se concentrer sur lui, hein. Et elle. Si elle fait coupure. Si elle fait feinte. Fin fente. Non, on va faire coupure. Ah oui, d'accord, mais comme elle le fait là, ça va le... Ça va le crit. Donc faudrait qu'elle attaque en... non. Ouais, dans les deux cas, elle se prend un crit, quoi. Pas grave. Pas grave. Va perdre un peu de bouclier. Alors. Lui va attaquer lui. Mais il a plus de vie. Lui par contre il a du truc. Non lui. Si lui tire dessus tout de suite. Des chances, il peut mourir, mais si je fais un blitz. Ah, un blitz, c'est intéressant. Comme ça, lui, je le retarde. Il peut pas raise son pote. Robot. Octroi bouclier à elle. On sait lui remet son boubou. Et puis elle a fait une attaque puissante. Elle a fait une feinte. Sur lui, puis il meurt. Donc lui, il a de l'armure. Encore un petit peu. Réparation de bouclier. Donc toi, je peux pas te blitzer. Par contre, je peux te faire un coup direct. Toi, je vais te faire une décharge. Bah de toute façon, on va lui faire de ce qu'on a de plus gros et puis on verra bien quoi. Ah bah il est mort. Et ben voilà. Par contre on a eu de l'ADN. Je vais tous vous massacrer et je danserai sur vos cadavres. Tiens, je tente un truc. Voilà. Ah ouais, donc c'est bien ce que je pensais. La zone elle est fermée maintenant, je peux plus y retourner. Donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir les routes qu'on emprunte. Le mystère, la magie, la mystique des mains de titan. Au bout du compte, c'est juste une main, hein. Bon, après, elle est très très vieille. Comme décoration de pelouse, c'est sympa, y a pas à dire. Alors, bah on quitte la zone, il n'y a rien ici de toute façon. Ici. Et un distributeur.
Alors, récompense carte de camp. Résiste au laser 25% pendant deux combats. Usage unique. D'accord, c'est pour lui? Ou c'est à lui? Donc là, on a un bot. Alors, ils sont deux. Donc on a encore lui. Absorption de bouclier. Et il y a lui. Alors, clouage au sol en cas d'étourdissement. D'accord. Et il a 32. 32 et 2, d'accord. Et lui, il y a toujours rien, ok. Bon, alors, nous sommes ici. Deux fois interrompu, donc. Lui, il veut attaquer elle. Et lui, il veut attaquer elle. Donc, si lui... Il se recule et lui se recule, d'accord. Je les fais reculer tous les deux, on va faire ça. Tir direct. Ha. Pas loin. J'avais dit que j'aurais pu blitzer en fait, mais blitzer lui. Et avec elle, va prendre le coup. Enfin, le repousser quoi, mais il sortira pas. Ah, cocu, ah oui, lui, d'accord. D'accord, il veut redonner du bouclier à Michel. Donc, si c'est possible, on va le blitzer. Voilà, comme ça il peut plus redonner du truc à lui. On donne du bouclier à elle. Et puis elle, bah... Puis elle va taper, hein. Ah ouais, il remet tard, hein, d'accord. C'est vrai qu'il faut bien jouer avec la timeline, là. Alors, lui, il est très haut. Et il veut toujours remettre du boubou. Si je blitz... Je peux pas blitzer lui, d'accord. Ah, cocu. Je peux pas annuler. Ouais. Peut-être fait un peu... J'ai peut-être merdé. Mais non, on va pas le blitzer parce que... Je ferais bien un tir direct sur lui. Oh oui, ça lui fait mal. Et toi?
toi on va faire ça. Et toi on va faire ça. Ah quoique non. Ah, j'ai merdé un peu. J'ai merdé parce que lui va redonner du boubou. Ah ouais, il mourra pas. Ah celui-là est mort. Et puis là, bah, au prochain tour, bah il meurt. Voilà, comme ça tout le monde attaque avant. Bon, c'est le début, hein, c'est le début. On prend nos marques, les combats sont assez faciles, donc voilà. Et on gagne de l'ADN. Ah ouais non, ils sont là les caches de machin. Je dis à les dernières, il n'est pas censé y avoir une cache. Impressionnant comme matériel, mais apparemment ils ne sont pas en marche. Les gars de l'Imperium ont choisi le pire moment pour aller aux toilettes. Maintenant, on a leur flingue. Des fois, un gros flingue, c'est rien de plus que ça. Un gros flingue. Eh bien, lui. Une boîte mystère, super. Et donc, dans les boîtes mystères, il y a du loot. Puce de sabotage. Alors, dégâts plus 10%, attaque normale. Santé plus 12. Ouais. Mais il y a ça, un gantelet laser de couleur verte. Niveau 3. Laser 3, dégâts 25% contre la santé. Inflige irradiation 3. Inflige un retardement de 5 secondes supplémentaire pour toutes les attaques. Stocker. On peut pas parce que notre niveau est... bah on va stocker alors. Et donc c'est pour notre personnage principal. Alors j'avais vraiment rien vu tel et pourtant j'en ai volé de la technologie de pointe. La technologie de l'Imperium est plus évoluée que la nôtre sur tous les points. Alors n'hésitez pas à voler tout ce que vous pouvez. Ça me ferait un plaisir d'analyser tout ça. Vous avez bien dit voler. Ça, c'est un mot qui me parle, prof. Et pourtant, les soldats de l'Imperium sont incroyablement stupides. Comment c'est possible? Selon moi, l'hypothèse la plus plausible, c'est que les voyages interquantiques ont des conséquences néfastes sur le fonctionnement cérébral. Ça expliquerait pourquoi ils sont connectés à un réseau neuronal si perfectionné et géré par une intelligence artificielle. Mais bon, ne me demandez pas pourquoi il appelle cette IA mère. Alors comme ça, on affronte une armée de soldats décérébrés et psychotiques qui n'ont jamais coupé le cordon. Ah, gain de niveau. Alors, lorsque vous avez assez d'ADN, d'accord, donc l'ADN sert à monter les niveaux. Vous pouvez l'utiliser pour faire passer vos héros au niveau supérieur. Les niveaux sont réinitialisés lorsque vous retournez à la base des renégats pour vous rendre dans une nouvelle dimension. D'accord. Utiliser ADN vous permet d'améliorer le héros de vos choix. Le gain de niveau augmente la santé ainsi que les dégâts et peut octroyer un nouveau pouvoir ou une carte de camp. Le pouvoir de carte susceptible d'être gagné apparaît. Par contre, j'ai pas compris. Les niveaux sont réinitialisés lorsque vous retournez à la base des renégats pour vous rendre dans une nouvelle dimension. D'accord. Donc bon, on avait chopé un truc pour elle. C'est elle qu'il faut faire monter. Gain de niveau 2. Plus 300, plus 30 en santé, pardon.
Donc c'est ici, d'accord. Ouais, donc j'en ai pas assez. Équipé. Toi. Tu peux toujours pas. D'accord. Merde. Donc cri de guerre, action gratuite. Provoque l'ennemi. Applique l'effet de l'allié, inspiration, plus 50% de dégâts. Ouais. J'ai compris. Donc là, la formation, Imperium, didacticienne. Donc en gros, ça doit être comme dans les MMO en fait. Cri de combat, c'est genre. Hey, les gars, c'est sur moi qu'il faut attaquer et tu te prends toute la charge. Quoi. Enfin, mon ennemi, mon envie de tuer va pouvoir être assouvie. Bon, on va tuer Teb. Qu'est Teb? Ah oui, c'est lui qui commence, d'accord. Vous allez maintenant connaître la toute puissance de mon courroux. Je vous l'interdis, d'accord. Alors. Nous avons lui. Impossible à retarder. D'accord. Donc on va retarder que la migale. Que Mimigal, et lui il est niveau 1. Teb, d'accord. Alors, ça c'est qui ça? Ça c'est lui ça. Donc Mimigal. Mimigal il va attaquer lui, et lui il va... Je sais pas ce qu'il va faire. Contre-attaque. Ah ok, si on attaque lui, d'accord. Ah, je voulais pas faire ça, mais bon. Toi, tu vas redonner à lui, en fait. Lui, il attaque le robot. Donc, on va faire... Ah oui, c'est vrai que le bouclier arrive tard. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Rien ne peut contenir ma rage. Ouais, on sait que t'es un rageux. Alors, ça c'est qui ça? C'est lui. Attends. Faiblesse contre les attaques de détonation. Déteste les attaques légères. Résistance au coup. Mais si on peut le... C'était là qu'on pouvait pas le faire, mais on peut le faire, d'accord. Ça c'est Mimigal. Donc toi t'as des attaques normales, légères. Bouclier à elle.
Parce qu'en fait, lui, j'ai envie de le dégager. Dès le début, comme ça, il nous fera pas chier. Plus 50% de dégâts. Applique l'effet de l'allié. Ah oui, mais c'est pour les alliés. Et donc, si je fais ça, ça fait mal quand même. Ah bah, on l'a tué. Si c'est pas joli. On fait un cri de guerre. Comme ça, eux sont boostés. Voilà. 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 Faiblesse contre les dégâts de détonation, on n'a pas. Et il aime pas les trucs légers. Hein. J'ai pas de légère, on va lui faire une puissance. Voilà. On va lui mettre la totale. Il n'y a plus d'armure. J'ai bouffé. C'est pas grave. Je vais vous massacrer au nom de mer. Ok, il lui reste que de la petite vie, que de la vie. Boubou sur elle. Est-ce qu'il peut. Oh là là, il peut le blitzer. Blitz-le, mais blitz-le! Blitz-le! Et derrière, je le coupe en fait. Je le déglingue. Et les die. Bah voilà, on a bien géré. On a eu des renseignements et on a eu de l'ADN. Et on a eu ça. D'accord. Ça correspond pour eux. Mais j'ai commencé juste à m'échauffer. Et... Bam. Décès. Ah oui, il reste 3 mecs quoi. Alors. Attends, inventaire. C'est elle qui a une épée, d'accord. Lui, il a rien. Ah si, c'est lui qui a le gantelet là, c'est eux. C'est lui qui faut au niveau 3. D'accord. Ah bah alors, il faut... Retour. Il faut que je prenne un truc pour elle, alors. Là j'ai cru que c'était. J'ai cru que c'était lui. Gantelet incendiaire. Feu 1. Alors dégâts plus 10 contre les attaques. Contre de. Non. Dégâts plus 10 pour toutes les attaques. Ou alors le laser. Inflige 25% contre la santé. Inflige irradiation. Vas-y, on va prendre ça. Bah par contre, donc c'est lui, il faut que je monte. On va lui mettre un force de titan. Plus 11 de santé. Et on peut faire monter Michel. Bah, voilà, comme ça ils auront tous un niveau.
pouvoir cassure. On voit l'objectif. Bien joué, vous avez dézingué ces vermines. Maintenant que leur base nous appartient, vous avez bien mérité une petite pause. Montez le camp, reposez-vous, et nous reprendrons au petit matin. Donc c'est ça. L'établissement d'un camp permet à vos héros de se reposer, de se soigner, d'appliquer des renforcements et de nouer des liens avec leurs compagnons. Chaque héros possède son propre jeu de cartes de camp qu'il peut utiliser sur lui-même ou sur les autres héros. Les cartes de camp coûtent des points d'action de camp et peuvent accroître leur affection entre vos héros, leur octroyer des effets spéciaux, renforcer leur armure ou même leur rendre la santé. Les points d'action de camp sont partagés entre tous les héros de chaque carte coûte un certain nombre de points, d'accord. Et une fois que vous aurez utilisé les points d'action de camp, votre équipe s'endormira. Quand vos héros se prennent d'affection pour leurs compagnons, ils renforcent leurs relations et débloquent des conversations ainsi que des bonus tels que des traits bénéfiques, des combos et parfois de nouvelles progénitures. Ah, on peut faire des bébés. D'accord, et donc on a 5, ici, 5 points. Et là, il y a des cartes qui coûtent plus ou moins de points. D'accord, donc elle peut faire 3 d'amitié pour 0 avec, avec lui. C'est pareil que... Voilà. Lui, les attaques absorbent les... Attends. Les attaques absorbent les boucliers. Les attaques absorbent les boucliers. Deux points d'affaire. Ouais, non, on s'en fout. Ah, mais comme je tac. Oui, c'est avec lui qu'il faut. Ah, merde, j'ai pas vu. J'ai utilisé combien de points, j'ai pas fait gaffe. Il m'en reste 3 de toute façon. Lui, il a quoi? Pour 2. Il lui reste une 1. D'accord. Ça, c'est pour 0. Résistance au laser. 25% pendant 2. Deux combats. Bah voilà. De toute façon, c'est elle qu'il faut booster. Elle est en première ligne. Les deux autres. Bouclier max plus 30. Durant deux combats. Bah vas-y. J'ai pas besoin de guérison, mais ça fait 4 de cœur. On va le faire avec, avec lui. D'accord, et elle gagne 2. J'avais pas vu, il y a le petit robot. Pardon, il y a le J5 qui fait cuire des trucs. Oh là! Cette dimension devient vraiment contrôlable, pas vrai, mère? Les autochtones refusent de faire ce qu'on leur dit. Laissez-moi vous montrer que vous aviez eu raison de m'assigner cette mission. Donc, autant. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Ah non, c'est pas autant. Bah, c'était pas écrit autant? Ah non. Ah non, c'est OMN 20. D'accord. Bah, lui, il n'a rien. C'est un niveau 3. Par contre, lui c'est un niveau 3. Déteste les dégâts. Attends. Déteste les dégâts de micro dégâts d'armure. Régénère subition des dégâts. Des dégâts de feu, d'accord. Lui il inflige des dégâts de feu.
5 défense contre les attaques de rafale. Il a la faiblesse contre les dégâts de feu. Et faiblesse contre les dégâts d'antimatière. D'accord, si tu veux. Lui, c'est un niveau 2. Rage en subissant des dégâts de détonation. Défense contre le feu. Il est immunisé contre le feu et contre le retardement. Super, lui, il va pas être chiant. 50% de défense contre les attaques puissantes. Les défenses contre les lasers. D'accord, il est faiblesse contre les lasers et les trucs, d'accord. Et lui, niveau 2. Rage en subissant des dégâts de feu. Immunisé contre les dégâts d'armure, ouais. Il aime pas les attaques puissantes. Les attaques rafales. Ok. Ok, ok, bon, on va voir. Hein. Écoutez tous, je viens de recevoir de nouvelles instructions. À l'heure actuelle, l'Imperium ne peut ouvrir que de petits portails dimensionnels à durée limitée. Cependant, ils ont trouvé une solution à ce problème, grâce au cœur de Titan. Un minerai ancien qui se trouve dans les profondeurs des planètes titaniennes. La structure atomique de ces cœurs présente une très grande stabilité quantique. Si l'Imperium parvient à s'emparer de cette source d'énergie, il pourra ouvrir un portail dimensionnel assez stable et grand pour lancer une invasion à grande échelle. En fait, on a toute une flotte à affronter, génial. Vous saisissez donc la gravité de la situation. Le cœur des Titans doit rester là où les Titans souhaitent qu'il soit, au centre de MQ, à l'abri des regards de mortels. J'avais appris que l'Imperium allait envoyer un B-mode dans 3 jours pour récupérer le cœur de Titan. Si vous parvenez à l'arrêter, nous pourrons contrecarrer leur funeste plan. L'Imperium a truffé la zone de champ de force dans l'espoir de vous ralentir. Heureusement, J5 ici présent est capable de pirater leur système. Le professeur dit que c'est un nouvel appareil de rétroaction quantique qu'elle a conçu à partir de matériel volé à l'Imperium, mais j'en doute. J5 a assez d'énergie pour réaliser 3 piratages avant de devoir se recharger pendant la nuit. Par conséquent, surveillez toujours vos ressources et le temps restant. Et maintenant, le signal de J5, mettez-vous au travail. Je suis trop fier pour obéir Lorsqu'un B-mode fait son apparition, vous disposez d'un nombre limité de jours pour atteindre la zone d'atterrissage de l'intercepter avant la destruction de la planète. Choisissez bien votre chemin jusqu'à la zone d'atterrissage indiquée par un repère d'objectif. Si vous parvenez avant la fin du temps imparti, si vous n'y arrivez pas avant la fin du temps imparti, vous la rejoindrez automatiquement pour affronter B-mode. Donc faut pas y aller. Faut attendre les 3 jours. Chaque jour, J5 dispose d'un nom pour pirater entre l'Imperium. Les zones signalées par les symboles de l'Imperium. Point de fermé. Si vous ne les libérez pas avant la fin de la journée, vous ne pourrez plus y accéder. D'accord. Donc. Pardon. Donc c'est là. Comparé à tout à l'heure, il y avait que 2 chemins. Là, faut vraiment bien choisir son chemin parce que, en gros, t'as 3 jours pour prendre un maximum de trucs. Donc là, des technologies rares. Là, caisse de crédit. Poste de améliore le bouclier. Fermeture de la zone. Cette zone est sur le point d'être fermée. Y a quoi ici? Y a rien. Là, y a rien. Technologie l'Imperium ordinaire. Technologie rare. Ici,
ici, il n'y a rien. Bah, en fait, faut qu'on monte. Faut qu'on monte ici pour prendre ça. Ça fait 1. Après ici, enfin, donc on doit monter ici. Ça fait 2. Après on doit aller ici, 3. Pour demain faire 1, 2, 3. Et après faire 1, 2. Oh, c'est... Ouais, d'accord, on va essayer de faire ça. On va faire ça, 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 ça et ça. Pour avoir un maximum de trucs. On va bien voir. Donc, c'est parti. Enfoncer. Ces anti-impérium ne sont qu'une bande de vandales. C'est un honneur de pouvoir les massacrer au nom de mer. Par contre, faut choisir... Attends... J'ai pas vu, c'était niveau combien les mecs? 2. Attends. Niveau 1. Niveau 1. Niveau 2. Oh, ils sont pourris, ils ont même pas de trucs, ça c'est cool. D'accord. Et lui. Faiblesse aux attaques de rafale. Faiblesse aux attaques de rafale. Est-ce que j'ai des attaques rafales? C'est toi qui as des attaques rafales, non? Ok, on n'a pas d'attaque rafale. Ah oui, c'est vrai que j'avais un nouveau truc. On va faire ça, ça va les pousser. Lui, on va lui faire ça. Et puis on va attaquer... Oh, on s'en fout, on va attaquer lui. Ah, par contre, c'était... Ouais. C'était sur lui, c'était pas top. C'est quoi ça? Position dominante. Peut attaquer n'importe quelle position. Action gratuite. On va mettre sur lui, hein. Espérant que ça le booste. Ah d'accord, c'était soit cri de guerre, soit l'autre. Ok.
Déjà, on va te mettre un bouclier, toi. Est-ce que tu vas encore bouffer? On va te retarder, toi. Ça fait un en moins qui attaque. Lui, il attaque elle. Lui, il attaque elle. Va bouffer. Mais c'est pas grave. Si je fais coupure. Si je fais feinte. Allez, je vais... Elle va grave bouffer en fait. Je vais me faire une défense. Parce qu'au niveau du bouclier, ouais. Ça m'attaque mon bouclier, c'est pas grave. Et voilà maintenant ce qu'on devrait se dérouler comme j'en avais envie. S'ils attaquent, ils vont avoir une sacrée surprise. D'accord. Il est en contre-attaque sur lui. Si on attaque lui, il y a contre-attaque. Ok. Donc. Je peux pas le blitzer. Je peux blitzer lui. Est-ce qu'on le blitzerait pas? Attends, on va blitzer lui. Comme ça, il va pas nous faire chier. Ça va pas. J'ai mal joué. J'ai grave mal joué. Grave mal joué. Alors. On peut le reculer, lui. Attends, on va faire ça. Comme ça, tout le monde va reculer. On va... On va le tuer. Ouais, on va retarder un.
normalement lui meurt. Voilà. Lui il est retardé. Elle se prend 25. C'est bon. C'est quoi cassure aussi? D'accord, étourdissement. Ah bah je vais faire ça. Donc, je vais le faire sur lui. Comme ça, lui, il est interrompu. Il joue plus. Et je fais ça et il meurt. Et au prochain tour, lui, il meurt. Prochain tour, on lui fait une fente. En plus, il est de sortie. Une décharge. Et un tir direct. Et là, il est mort, tu es mort. Parce que... Félicitations! Ah, une nouvelle carte entre eux deux. C'est ma faute, pas vrai, mais... Eh oui. Timouru. J'aurais honte de décevoir mère comme vous l'avez fait. Bah attends, ton tour va arriver. Alors. Ici, il y a des caisses. Oh, on a du joli. On a du joli. On a du la... Alors... D'accord. Donc on a du laser. Elle a une lame laser. Elle est laser niveau 1. Là, on a un laser niveau 3. Dégâts plus 25% contre la santé. Inflige irradiation 3. Attaque normale et puissante. Vol d'armure 2 à 3. Là, toujours pour elle... non, pour les trois, on a dispositif d'attitude. Inflige le retardement de 10 secondes supplémentaires, attaque légère. Et une arme à impulsion pour elle. Impulsion 4. Dégâts 25% contre les boucliers. Contre la santé, d'accord. Inflige... Ionisation. Dégâts de 15% toutes les attaques. Une arme laser ou une arme à impulsion. On est déjà en laser. Est-ce que je reste en laser ou est-ce qu'on part sur l'impulsion? Par contre, c'est niveau 4. Donc on va rester sur ça. Ah, ville. Qu'est-ce qu'ils disent? Quelle jolie petite ville traditionnelle. Menkuen. Quelqu'un pourrait me prendre en holophoto devant ces cyberyourtes. Il vaut mieux éviter d'adresser la parole aux Menkuen. Ils sont capables de parler des techniques de culture du blé pendant des heures. J'espère qu'on arrivera à sauver mes... Menku avant le prochain festival du blé.
Donc moi je monte pas. Canon anti-aérien. Donc on y va. C'est ici qu'on doit aller normalement. Et après redescendre. Alors. Niveau 1. Donc. Si je fais ça. Déjà, ils reculent tous une case. Ça, c'est cool. Ah, toi, tu vas faire ça. Ça a l'air d'être une bonne idée. Et toi? Ils ont rien, de toute façon. Bon, on va retarder lui. Comme ça, on se prendra qu'une seule attaque. Oh là, ils sont où là? Ils sont où? D'accord, ils vont l'attaquer, elle. Ah dommage, j'y meurs pas. Ah moins que... Attends, si je fais ça. Ça, il attaque tout de suite. Ah, il attaque après celui-là. Ça, j'ai comme cover. Et puis toi, tu lui fais ton... j'ai peut-être pas touché le bon. Ouais, j'ai pas touché le bon. Fais chier. Ils m'ont pas mal entamé, hein, ces enfoirés. Bouclier sur elle, même si tu viens tard, c'est pas grave. Peut tuer n'importe qui. Est-ce qu'on attaquerait pas ces deux cons là? Tue-le lui. Elle. Elle tue lui. Elle se reprend du truc et puis après on tue l'araignée. Ouais.
Et voilà. Les gains de niveau, c'est vrai. C'est vrai que toi, tu pouvais avoir ça au niveau 3. Et elle, son épée au niveau 3 aussi. Donc, j'ai 14. Je monte elle en premier, parce que c'est ma main en fait, donc forcément. Voilà. Ah ok, tu peux pas avoir double épée. Et puis, bah toi t'es le prochain. Ok, donc bah c'est ça, je dois descendre pour faire le tour pour remonter. Ouais, si c'est ça, c'est ce qu'on avait dit. Oh, elle est tombée sur un pupère. Niveau 1, bon ça va. Alors. Ah oui, mais c'est ça que je voulais regarder. Résiste aux dégâts de feu. Ça tombe bien, on n'a pas. Alors, t'attaques loin. Impeccable. Oh là là. Oh, il a mangé. Oh, ça lui a fait mal. Si je fais ça, il n'attaquera pas. Ça fait que toi, bah on va lui faire ça. Et que toi, bah tu vas t'en redonner un cœur joie. C'est quoi ça? Irradiation, 15% de défense contre les dégâts de santé bloqués par les boucliers et l'armure. Ouais. Donc. Ah oui, mais non mais... Il est mort, le gars. Qui va le tuer? Boum! C'est Robobo. Ah non, c'est... Space machin, là. Ah bah voilà.
Il vous reste 2 jours avant l'arrivée du Behemoth. Bonne chance. J5 sera de nouveau prêt demain matin. En attendant, vous avez quartier libre pour le reste de la nuit. Si quelque chose attire votre attention, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. On ne sait jamais ce qui peut se passer la nuit. Lorsque toutes les charges de J5 ont été utilisées, votre équipe doit se reposer pour la nuit. Vous pouvez explorer librement les zones libérées et interagir avec les gens ou effectuer des missions annexes. Une fois que vous avez terminé, vous pourrez monter le camp et finir la journée. Ça, c'est cool, ça. Gain. Ah, je suis à 10. Enfer et damnation. Ça, c'est quoi, ça? Temple. Qu'est-ce qu'on a là? Ça a l'air abandonné. Oh, il y a des tas de champignons géants partout. Les titans, maîtres incontestés de l'architecture imposante, sans le moindre considération. Voilà. Ah bah. Ce serait pas de l'ADN, ça? Bah voilà. C'est pas beau tout ça? Et donc maintenant, on peut lui mettre ça. Son gantelet laser. Et ça, c'est une lame laser. Ah ouais, on est full laser en fait. J'aurais dû prendre un autre truc. Bon, tant pis. Ah oui, on peut revenir en arrière. Là, il y a de l'ADN. Ça, c'est cool. Et là, il n'y a rien. Bon, on va remonter. Hein. Enfin, on va remonter. Hop, monter le camp. Alors, on a toujours 5. Oh, bah ça c'est cool, ça coûte 0. C'est lui qui fait des attaques, donc... Donc on est passé camarade. Une petite neurobière. Merci. Je n'en reviens pas que ces ennemis soient aussi coriaces. Hein, rien que l'odeur, c'est insupportable. Oui, qu'on parle d'odeur, j'ai grandi près de la mine dimension décharge de Colwinox. L'odeur était à vous dresser les cheveux sur la tête au sens propre parce que quand le conduit dimensionnel s'activait, les déchets se mettaient à flotter dans tout le voisinage avant d'être réaspirés. Avec les copains, on s'amusait à grimper dessus et on se marrait bien jusqu'à ce que Simian Rex se fasse aspirer dans la dimension poubelle.
Et vous avez grandi où? Dans une grande maison sur Fabuloso. Mais une grande maison à moitié en ruine, hein. Votre relation est devenue plus forte. Nodo et Yin sont désormais camarades. Trait débloqué, santé accrue plus 20%. Non, santé accrue plus 20 en santé. Retardement amélioré, plus 5 secondes de retardement sur toutes les attaques. C'est cool ça. C'est cool. Ça va être à vous de jouer les bidasses. J5 est prêt à ouvrir une brèche dans les charges de force de l'Imperium. Alors, adaptez-vous à son rythme. Il ne vous reste plus que 2 jours avant l'arrivée du Behemoth. Bonne chance. Là maintenant, on avait dit qu'on passait par là. Niveau 1, bon ça va. Alors, ça recule bien et ça te tape bien. Donc ça va. Oh là là. Comment il a mangé? Il a plus d'armure. Enfin, il a plus de protection. Bam, tu joues pas ce tour-ci. Ah, il est pas mort. Il reste un petit bout. Comment il est mort? Et voilà. Ah ouais, je suis à 5, il lui faut 10. Ok. Caisse de crédit. De la thunasse. Et champignons. Ce sont les fameux champignons doués de conscience de Menku. Normalement, Menku garde les croissants sous contrôle. Mais l'Imperium les laisse pousser librement. Ou ne s'en préoccupe pas, c'est selon. Quelque chose me dit que les habitants de Menku fertilisent un peu trop leurs champignons. On ouvre. Alors. Toi, niveau 1. Merde. Toi, niveau 1. Et toi, niveau 1. Donc, ça va. Alors, ils attaquent tous par là-bas. Ils attaquent lui. On va faire ça pour le début. Histoire de les reculer un peu. Toi. Tu vas reculer lui. Et puis, bah toi, tu vas... C'est qui le plus dangereux des deux? Voilà.
Impeccable. On va le blitzer lui. Et ben voilà. Ah, j'ai pas gagné 9, c'était 9, d'accord. C'est moi qui ai fait l'erreur. Bouclier. Alors, de quel héros voulez-vous améliorer les boucliers? Je pense qu'on peut le faire qu'une fois. Celui qui a moins de boucliers, c'est lui. Donc, saboteur. Comme ça, il passe à 50. Alors, je sais pas pour vous, mais j'aime pour l'instant, j'aime bien. Il est pas... ah, après ça va se corser hein, mais il est pas mal. Ah, c'est un méchant. Un méchant de niveau combien? Niveau 1. Bon, ça va. Alors, bon, on va te reculer. Tac. Et lui, résistance aux dégâts de feu. On s'en fout de ça. Normalement, c'est bon, on lui fait mal. Oh oui, on lui a fait mal. J'ai fait ça, normalement je le tue, si j'ai pas fait le con. Magnifique. On est à 13. Je peux lui monter son niveau, bah voilà. Et j'ai obtenu... carte gagnée baratin, ouais. Merde. Mauvais bouton. Non, il n'y a pas. Il n'y a que cassure. Pardon. Alors, là, je devais remonter ici.
De quoi? Attends, on était là. On a fait 1, 2 et 3, effectivement. Il n'y a rien ici. Rien du tout. Et donc, normalement, demain, on fait 1, 2, 3. Et puis, bah si on a bouffé, 3 pour aller chercher de la vie. Poser le camp. Alors. Quelle journée abominable! Je n'arrivais jamais à enlever cette tâche sur mon armure. N'ayez crainte, je vais vous révéler la formule sacrée de détachage de la confrérie des titans, un secret jalousement gardé. J'en serai honoré. Ah bah voilà! Santé accrue. Plus 20 santé. Régénère 3 de boucliers par round au combat. C'est génial ça! Toi t'as quoi toi? Guérison 33%, défense des boucliers plus 10%. Combien celui-là? 2. On va mettre ça. Et on va mettre celui-là. Pardon. Bon allez, dernière journée, et après on affronte le grand méchant. Alors. Les résistants approchent, mère. Puis-je espérer qu'ils vont tenter de me vaincre? Ouais, là ça a l'air de puer. 2, 2, 3. Ouais, là ça va piquer là. Déjà ça. Ça c'est déjà bien. Après si je lui fais un tir direct. Et lui on le sort. Ah non, mais je suis débile. Je suis débile, j'ai fait n'importe quoi. C'est l'autre, j'aurais dû taper pour lui défoncer son arme. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave.
Allez, hop, lipo lipo, fais dodo. Bon, on va en tuer un et puis voilà. Ce sera déjà fait. Pour l'Imperium. Je peux blitz celui. Attends, toi t'as des... Les attaques infligent des dégâts de feu, ouais on s'en fout. Mais non, c'est toi là-bas que je veux. Les attaques infligent des dégâts de feu, les attaques infligent davantage de dégâts d'armure, 50% de défense contre l'antimatière. Ah ouais, lui il avait pas de... Il faisait chier son monde lui. Ouais, je vais bouffer, mais c'est pas grave. Il va me criter avant, donc hop. Ouais, ça va. Votre défaite est assurée. Bien sûr que non. Faut pas vendre la peau de l'ours. C'est le bon moment pour faire ça, j'imagine. Il est déjà en souffrance. Alors. Déjà, on va faire ça. Ça va faire chier tout le monde. Si je te fais un blitz à toi, non. Mais un blitz à toi, oui. Je vais te faire une coupure. Et toi, je vais te faire un blitz. Je vois le monde sous un tout nouveau jour. Pardon. Voilà comment se battent les guerriers d'une vraie dimension. Donc là. Décharge pour reculer tout le monde. Parce qu'il faut pas abuser non plus. Je peux blitzer le gros. Ou le petit. Ouais, on va faire ça. On va faire. À moins que... Tir direct. Il le tue. Non, non. On va s'en tenir à ce que j'avais dit. Toi, t'attaqueras pas. Et toi, on te tue. Voilà, comme ça on est débarrassé. Et il reste plus que lui.
peut pas le blitzer, c'est pas grave, on lui fait ça. Et on fait fin tout de suite, parce que sinon... Il est pas mort. Merci, mère, je suis d'accord, ça s'est bien passé. Je commence vraiment à en avoir marre. Bah ouais, mais tu vas mourir là. Parce que déjà, toi, je te donne tout. Là, je te donne ça. Et puis toi, je te donne ça. Voilà. Au revoir, le méchant. Bah oui, forcément. Et ils ont une carte à deux. Ça, c'est cool. Il faut croire que la force ne donne pas tous les droits. Ah, il en restait deux. Ouais, il y en a un en haut. Il y a lui. Ça, je n'y attendais pas. Pas ici, en tout cas. Ouais, lui, c'est le... C'est un gros méchant. Alors, nous, on est où? On est... Je sais même où je suis. Je suis là. Ah, technologie impérium épique. C'est bon, ça. Alors. Puce de sabotage. Dégâts plus à l'attaque de zone. Hein. Blaster à particules. Dégâts plus 13%. Toutes les attaques. Dégâts plus 5% contre les boucliers. Toutes les attaques. Dégâts. Particules. C'est le même. C'est le même. C'est pas le même. Dégâts d'armure 13%. Est-ce que c'est un niveau 4? Je vais attendre de le faire passer niveau 4. Je vais garder les trucs. On va le faire passer niveau 4. Bon. C'est le moment. Avant, je n'étais personne, mais aujourd'hui, je fais partie du grand méchant Imperium. Ah putain, il y a le petit là. J'aime pas trop le petit. Et pas emmerdant plus que ça, mais soumettez-vous. Niveau 1, niveau 2. Oh bah non, en fait... Alors, c'est le début. Donc, on fait ça. Il est encore lui. Faiblesse contre laser. Tire direct, c'est un. Absorption de bouclier, ouais. Tac. Et découpe sur le gros.
déteste les dégâts des détonations. Faiblesse les attaques laser. D'accord. Donc. Ok. Donc, on va faire ça. On va blitzer. Comme ça, il nous embête plus. Lui, il redonne du bouclier à elle. Et elle, elle fait ça. Et on est bien. C'est énorme. Normalement, c'est fini. Il est pas mort? Ah non, il est pas mort. Il nous a fait bobo. Ça faisait longtemps que je n'attendais pas de, que j'attendais de faire ça. Les ordres sont les ordres, je sais bien, mais là, ça craint. Bah oui, mais là. Là, je te mets la grosse. Histoire 2. Là, je te décharge. Puis là, je te tire dessus. Ouh, 27 d'ADN. Je ne faisais que suivre les ordres. Ah ouais, non, il est mort. Et donc le gros, c'est le gros de la fin, d'accord. D'accord. Donc c'est ça. Hop, hop. Niveau 4. Et voilà. Alors. Nous avons bouclier plus plus. Bouclier plus 20, santé plus 14. Ouais, ce serait bien pour lui en fait. Plus de sabotage, dégâts plus 16, hein, et dégâts d'armure plus 12, et absorption. Non, c'est ça qu'il faut prendre. Voilà. Comme ça, lui, il est boosté. Il est boosté. Et il nous manque un dernier truc. Bah donc, on peut descendre là. Non. J'ai failli ouvrir le mauvais truc. Le mauvais chemin.
C'est quoi cette boîte blanche avec une croix rouge dessus? Quelqu'un a une idée? Non, personne? Vous trouvez de nombreux kits comme celui-ci. Sur les trésors obtenus, une période vous pouvez les utiliser et gagner de la santé. Vas-y, y a rien d'autre. Mais non. C'est ça que je veux voir. Non, on peut pas. Ah non, c'est pour dire que c'était là. Voilà, comme ça on est potes. C'est quoi cette odeur? Quelle odeur? Ce mélange d'œufs pourris et de viande hachée, ça sent sacrément fort. Ah ça, c'est mon essence colwinoxienne naturelle. C'est vrai qu'elle dépote à ces vieilles glandes ce soir. On vient vraiment de mondes bien différents. Ils sont devenus partenaires. Pour avoir de combos débloqués. Vertu. Saignement plus 4. Étourdissement. Ah, cool. On a débloqué un combo. C'est sur elle. On va la charger. Hein. Histoire que. Voilà. Bon. On va. On est arrivé. Ça fait 3 jours. Normalement. Le BMOT est arrivé. En restant dans cette zone, vous admettez. Non, tacitement, pardon, que vous avez l'intention de faire obstacle à notre activité de la plus haute importance. Par conséquent, les hostilités sont déclenchées. Vous voyez ces affreux là-bas? C'est un behemoth. Il attend de pouvoir extraire le précieux cœur de titan Menku. C'est votre seule chance de l'arrêter. Si vous échouez, la flotte de l'Imperium sera là en un rien de temps. Je sais que le moment est mal choisi, mais je m'interroge, c'est quoi le cœur de titan au juste? Moi j'imagine que c'est pas bien grave au final. Bon, on est parti, hein. On est parti affronter le méchant.
Ah oui, il est balèze. Fais voir un peu. Niveau 3. Ok. Alors, il est là. Allez, des trucs pas mal là. Pose d'explosive. Pose un piège qui explosera immédiatement par la suite. Blitz. On peut le blitzer direct. Est-ce que je le blitz? Ah, il a l'air haut là. On va le blitzer. Parce que... il va me faire chier, je le sens. Par contre, il y a un truc que je voudrais regarder sur toi, mon gars. Retardé. Ah oui, d'accord, ouais, j'avais pas vu. 442, d'accord. 737, d'accord, et ok. Ah ouais, non, mais le gars, on n'est pas prêt, quoi. Peut pas blitzer. Je vais lui mettre ça. On va voir ce que ça lui fait. Une petite bombinette. Voilà, on va faire une petite décharge. Pardon. Il va me criter la gueule. Donc on va lui faire ça. Ah oui, le monsieur ne rigole pas, quoi. Vous êtes approché de la zone réglementée et par conséquent vous vous exposez à des sanctions extrajudiciaires telles que les sévices atroces, le démembrement et la mort. Fracas. C'est quoi fracas? Ah, on fait péter la mine. D'accord. Ah bah c'est good ça. Là, je te fais cassure. Parce que t'es trop haut. Ça me fait grave plaisir. On va remettre une mine. C'était efficace. Petit saboteur.
J'aurais bien mis ça, mais... Oh ouais non, j'aurais dû me protéger. Vous êtes approché de la zone réglementée et les conséquences, vous exposez des sanctions. Oh mais ça tu l'as déjà dit, Monsieur le robot. Ah elle le sort, bah c'est bon. Ah ouais non après faut que je me... Je vais mourir donc... Ah putain, ça le fera, ça le fait pas sortir. Il fait une attaque sur tout le monde. Trente-trois. C'est ça ton attaque? Vas-y, c'est bon, si c'est 33, je peux encaisser. J'ai pas l'impression que ce soit 33, hein. J'ai l'impression qu'il va me faire un truc sale. C'est ce que je disais. C'est sale. Je vais vous anéantir d'ici peu, n'essayez pas de vous disperser, je ne changerai pas d'avis. Ça fait quoi là? Oh putain, il nous a scanné. Le salaud m'a scanné. Ah, on peut le sortir. Bonne nouvelle. Sortons-le. Vertu. Attends. Là le combo il fait 91 et là le combo fait 121.
va le blitz. Ah merde, il a contre-attaqué. J'avais pas vu. C'est pas grave. Et je peux pas faire mon truc, d'accord. Bon, on le fera au prochain tour, alors si y a moyen. Mais normalement, je crois... Ah non, il sera peut-être pas mort. Ah, il fait une contre-attaque à chaque fois. J'espère que votre voyage vers l'au-delà vous plaira. Non, je plaisante. Il n'y a pas de vie après la mort. Notre existence est inutile. Est futile ou... Bref. Bam! Et en plus, il est interrompu. C'est énorme. Donc, 3 boucliers. Je peux le blitzer. On va le blitzer. Comme ça, elle, bah elle va le couper. Et lui, bah il s'octroie un bouclier parce que il a mérité quand même. Explosion, bah voilà. J'ai échoué, mère. Et bah voilà. On a libéré une planète. Je n'avais jamais vu une telle puissance sur le champ de bataille. Vous avez réussi à protéger le cœur de Titan des griffes de l'Imperium. Et c'était plutôt impressionnant à voir. Bon, j'imagine que c'est à moi de vous annoncer la mauvaise nouvelle. D'après nos renseignements, l'Imperium a lancé une nouvelle opération d'extraction. Cette fois-ci, c'est sur Noros. Autrement dit, vous allez devoir liquider un autre Behemoth. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça vous donne une nouvelle occasion de dégommer des assaillants interdimensionnels. Allez, reposez-vous bien et achetez-vous de l'équipement chez le marchand. Pardon, désolé. Par ailleurs, nous avons invité des recrues potentielles pour l'équipe des Renégats. Tout comme vous, ce sont les meilleurs combattants de cette galaxie, mais je vous laisse décider qui rejoindra ou non l'équipe. Les candidats vous attendent au camp de base. Ils ont hâte de vous rejoindre, de répondre à vos questions. Pardon. Lorsque vous aurez terminé, la navette vous emmènera à la zone de largage de Noros. Je me demande si notre héroïsme a incité beaucoup de jeunes à nous rejoindre. Parce que je ferais bien une petite pause si on nous trouvait des remplaçants sérieusement. Ah, je suis là. Le marchand d'armes. Et donc là, on peut dépenser nos sous-sous. Alors, lame détonante. Retardement de 10 secondes inflige désactivation. Déstabilisation 4. Fureur plus 1 par coup critique. Ça, c'est bien, ça. Blaster. Laser 4, ça, on l'a déjà. Gantelet laser. Bon, on l'a déjà. Sauf que lui, il inflige retardement. Et là, il y a rapidité. Les attaques de rafale s'exécutent. Voilà.
fusil détonant. Retardement plus 10 secondes. Inflige des... Je prendrais bien l'âme détonante. Et on va prendre ça. Parce que s'il me propose un fusil, c'est qu'il y a quelqu'un qui a un fusil. Et là, c'est des choisir une récompense. Celle-là, je l'ai déjà. J'aurais bien pris ça pour donner à lui. Et on va garder les sous-sous. Ah merde, j'ai vu que je pouvais cliquer en haut en fait. Ah oui, j'ai 4, c'est pas grave. Ah, décidément. Hein. Bah écoutez, on va pas continuer. Je vous ai fait découvrir le début de l'aventure. On a tué le premier behemoth. Il y a plusieurs behemoths à tuer, mais on a tué le premier behemoth. Donc voilà pour la découverte. Par contre. Le truc qu'on nous dit pas, c'est ah oui, c'est là on peut on va juste recruter ces deux là pour vous montrer. Alors un paf pour le pouvoir de Chakralaka. La déesse des cristaux du Nub Age. Je veillerai à ce que l'aura de l'Imperium saigne d'un rouge sang. Préparez-vous à vous réincarner en mythe spatial. Elle propose des prix défiant toute concurrence sur la purification d'aura, le nettoyage de chakras et la thérapie de régression dans les vies antérieures. Si seulement je savais ce que ça veut dire tout ça. Recruter. Bah ouais.
Comme ça, elle vient avec nous. Niveau 1. Ah merde! Je me suis fait baiser! Bah voilà. Voici une erreur que vous... Que... Est-ce que je peux la virer? Ah, bordel de nouilles. Comment on fait pour virer les formations? Équipe. Non, j'en veux pas en fait. Bon. Bah tant pis. Je pensais qu'on aurait pu recruter plusieurs personnes. Et en fait, on pouvait en recruter qu'un. Et j'aurais voulu prendre commando. Et je me suis fait avoir. C'est pas grave. Est-ce que lui il dit quelque chose? Réinitialisation de lieu. Ah mais ça marche pas. Ah, fait chier en fait. Puis là, c'est aller sur la prochaine planète. Ah bon, je me suis fait avoir. Je voulais prendre commando, c'est pour d'où le fusil. Je savais pas qu'il y avait commando, mais j'ai vu qu'on pouvait prendre un fusil. Je me suis dit, il y aurait un mec qui aura besoin d'un fusil. Et j'ai pris elle. Qui distraction, aura temporelle, perturbation, encore un personnage de soutien, merde, et défense, accélère les actions de 5 secondes. Les attaques s'exécutent 5 secondes plus vite. 25% de dégâts crit. Ouais, elle va nous booster, elle, en fait. Ah là là, c'est pas possible. Ah, non, non, je veux pas changer son nom. Je croyais qu'on pouvait virer. Pardon, je suis désolé. Bon, je ne sais pas comment on fait pour virer. Mais bon. Vous avez vu un peu comment ça se passait. Eh ben, salut à toi. Eh ben, le jeu, ben là j'allais couper, mais très bien, très très bien. Je t'invite à regarder la VOD que je vais mettre sur YouTube dès demain. Mais ouais, très bien. Le jeu, le truc du temps, enfin faut gérer le temps. Enfin faut toujours s'arranger pour essayer d'attaquer avant les mobs sur la barre de temps. Et si possible les faire sortir. Ouais, c'est technique, c'est tactique. C'est très bien. C'est très bien. Bon. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Ce jeu m'a beaucoup plu. Donc voici, c'était la découverte de Star Renegade. Je vous dis merci à tous de m'avoir suivi, d'avoir regardé.
On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et donc, bah voilà. Donc, prenez soin de vous. Et à ciao, les amis.